Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est destinée principalement aux professeurs du cycle secondaire, yani, dans le but de faire apprendre des méthodes très faciles, plus pratiques, qui aident ces futurs enseignants à maîtriser yani, le métier تاعهم et à l'exercer facilement, sans difficulté. هنايا رانا هنا باش نعاونوهم يعني باش شويه باسكو حنا اوني باسي بار سو ستاد هذا وما لقيناش اللي يعاوننا الوغ سي بور سا انا جي فولو بيان فير لي فيديو باش هكذا يلقاو رسالهم الوغ واش راح نديرو الحين حنا اون فا دابور بارلي دو لا لوسون بريسيدونت كي ايتي ليفالواسيون دياغنوستيك je l'ai déjà fait avec la leçon j'ai dit le support j'ai pris le support de la page 7 j'ai posé des questions relatives à un texte expositif expositif plutôt on a posé des questions sur les types de phrases le ton employé la présence de l'auteur sur les moyens de l'illustration sur l'essentiel même on a exploité les éléments qui se trouvent dans la source pour parler du métier du scripteur la nature de la de l'ouvrage duquel on a tiré avec le texte parce que on a le journal ou la revue elle a une visée informative elle a un but informatif alors hatarna ala hadi. Maintenant, on passe à vous parler de la compréhension de l'oral. Donc, c'est une activité qui sert à développer l'oral ou l'écoute de l'apprenant. Nous avons dit spécialement pour les apprenants qui m'ont dit. J'ai pris le support de la page 14. Ah voilà, c'est un texte, c'est un discours qui a une visée explicative. Ah voilà, la compréhension de l'oral. Vous allez écrire les titres de la leçon, vous allez l'encadrer comme ça, compréhension de l'oral. Bien sûr, ni la page ni l'objectif, vous allez laisser les deux choses à la fin. L'objectif de la leçon, c'est la situation de communication. Alors, on va synthétiser de cette leçon la situation de communication. Ou rahin nazo la visée informative on dit mise en relation binatom rahin choufou men ba3d wach hwa hada li rahin nkharjo on veut extraire quoi alors rahin ndiro hnaya bien sûr kima qulna rahin on va commencer par faire une idée de l'intérêt en ce qui concerne par exemple la langue française puisque là il parle de la langue française rahin qulou lhom par exemple quelles sont les langues que vous aimez pratiquer ou la parler couramment dans la vie ou là français anglais ou là par exemple pouvez-vous nous donner l'historique de cette langue ou là est-ce qu'il y a nous allons voir dans ce texte la reconstitution de cette langue bon après avoir fait avec l'étape رايحين نديرو حاجة واحدة أخرى رايحين نديرو لا بروميير ايكوت بون افون سا رايحين اون فا ديسيني سو تابلو بون كي لوسك اون ديسيني سو تابلو رايحين نكتبو فيه لي زيليمون دو لا كومونيكاسيون لي زيليمون دو لا كومونيكاسيون عندنا كي ليميتور اكي لو ريسبتور عندنا لو كانال ولا لو مويان عندنا لو تيم ولا لوبجي عندنا لو كود وعندنا لا فيزي Bon, hna rahin on va lire le texte avec la première écoute nsemmiouha la pré-écoute, c'est le premier pas vers la compréhension du message ndirouha pour découvrir le texte avec tana ou le contexte. On peut être deuxième première écoute, se concentrer sur le cadre du texte. Deuxième écoute pour vérifier les données et pouvoir ainsi compléter les réponses.
Puis on va faire la troisième écoute pour réinvestir l'acquis dans une tâche réelle et signifiante. On va finaliser le travail. Bon, on a fait l'écoute et tout. Alors, qui m'a dit non? Après avoir repéré ou synthétisé les informations, on va faire une note, bien sûr. On a chauffé les marques, la présence de l'auteur, un jeu, un port émetteur, le récepteur, vous, le message, un message oral. C'est une conversation ou un message oral ou la qui a été diffusé par exemple à la radio, ou là, je sais pas, sur Instagram, ou là, on ne sait plus. Alors, l'essentiel, message vocal, la langue française. Le thème, c'est la reconstitution de la langue française. Le code, c'est le français, au français oral. Le but, c'est quoi? Alors, le but, c'est expliquer, même dans un discours oral, on peut trouver la présence de l'auteur et de l'émetteur, plutôt l'émetteur et du récepteur, mais le but reste expliquer et informer. Bon, vous pouvez même changer le texte. On passe directement à la séance suivante. La compréhension de l'écrit. On va prendre le support. La page 10. C'est parce que les feuilles telles. Les feuilles telles, le livre tel, c'est pour ça que j'ai trouvé des difficultés à faire les leçons à dos. Bon, j'ai pris le texte de la page 10. Comme d'habitude, on va écrire les titres de la leçon, on va écrire objectif. L'objectif, on ne va pas l'écrire directement, mais après avoir terminé la leçon, les objectifs, on va découvrir par la suite c'est quoi ces objectifs. Bon, bien sûr, on va exploiter, ou là, on va, je sais pas, on va voir le paratexte, c'est-à-dire exploiter le paratexte avec le texte. On va voir l'émetteur, le récepteur, on va voir les paragraphes, on va voir les cercles dans chaque alinéa, et on va numéroter pour organiser le travail. On va repérer de chaque paragraphe une idée. Maintenant, invention de l'écriture, les deux groupes de l'écriture iconique, phonétique, définition de l'écriture phonétique, contribution de diverses influences culturelles dans le développement de l'écriture phonétique, conservation de signes phéniciens à travers le développement de l'écriture dans différentes langues. Nous demandons une lecture silencieuse. On va dire les idées de chaque paragraphe. Ils vont compléter le schéma. Ils vont compléter soit le plan du texte. Les deux, ils peuvent les faire. C'est normal. On va demander aux élèves de repérer le champ lexical de l'écriture. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses, idiogramme iconique, écriture des idées, syllabique, voilée, phonétique, mot, hiéroglyphe. Le mot, il y a beaucoup de choses, alphabet, phénicien, phonétique, champ lexical du texte, de l'écriture. On va faire qui aiment le champ lexical. Ils vont poser la question, quelle est la relation entre phonétique et écriture? S'il y a une relation directe et très proche, alors c'est le champ lexical de phonétique. Ou le mot, il y a l'écriture, il y a l'écriture. قرب بزاف
parce que quand des mots je viens en relation mais de loin mais de près ça fait toujours boulot et il faut attirer l'attention de l'élève de choisir des mots plus proches à écriture. On va les objectifs le champ lexical dégager les idées du texte ou le schéma l'image du texte l'image du texte je vois l'auteur d'où on a extrait ce texte ou le champ lexical de l'image. On va te poser une question de Goulou. Quel est le champ lexical de l'image? Tu écris sur le tableau, tu écris la réponse sur le tableau. Maintenant, on va passer à la compréhension de l'écrit. La compréhension de l'écrit, le langage de l'image, page 14. Le langage de l'image, page 14. On va voir le texte تاعنا, le langage de l'image. Bon, on a mis le livre taille parce que ma canche le verra. Alors, on va voir la structure énumérative. La structure énumérative, qui m'a fait la structure littérale, qui est le cadrage, la retouche et la légende. Il y a des éléments cités qui caractérisent le traitement de la photographie, puisqu'il y a des éléments cités. Alors, c'est la structure énumérative. On va voir le résumé. L'image preuve apparemment tangible de la réalité. Il y a trois techniques de traitement de la photographie, le cadrage qui est la mise en valeur d'une partie d'un cliché, la retouche transformer un visage et la légende qui est les exemples abondants de la photographie d'agence. Enfin, la légende qui est le commentaire qui accompagne la photo vise ou la alors enfin la légende qui vise à sensibiliser le lecteur. Bon, il y a le résumé tana li drna à travers il y a la structure énumérative. Yani chdina hna on a résumé hadouk les trois éléments. Après, on passe à faire le point de langue. Le point de langue tana huwa la khadmo la nominalisation. Mais de préférence, on cherche toujours les exemples. Il faut qu'ils soient pris du texte support déjà étudié. Qui m'a l'invention de l'écriture, le développement de l'écriture. Ce sont des phrases déjà prises du texte support de la page 10. Alors, comme vous voyez, on a cherché le texte. On revient à nouveau à ce texte. On va prendre quelques phrases, par exemple. Bon, mais si je cherche des phrases, de la phrase nominale, par exemple, la phrase, on peut également prendre la phrase verbale. Alors, deux groupes se sont constitués et ont évolué indépendamment. Transformer, par exemple, les phrases, les écritures phonétiques correspondent à une analyse beaucoup plus profonde. Alors, par exemple la constitution et l'évolution. Bon, on prend les verbes. Bon, avant ça, قبل ما نديرو هذا الاكزرسيس راحين قبل نديرو في الامبريمياسيون هذه تاعنا راحين on va comment dirais-je, on va susciter l'intérêt de l'élève en lui posant des questions. Goulouhan, par quoi on a commencé la phrase? Par un nom. Comment on appelle ce nom? Un nom d'action. Il se dérive de quoi? Il se dérive d'un verbe ou d'un adjectif. Goulouhan, un exemple. Goulouhan, pourquoi on a mis le nom d'action au début de la phrase? Goulou, des fois, par exemple, pour attirer l'attention, pour focaliser l'importance sur l'invention, sur l'action. On va dire le texte avec. On va dire des verbes. On va dire organiser, organisation, correspondance, écrire, écriture, développer, développement, gentillesse. On va dire l'activité.
on va prendre quelques phrases du texte, soit phrase nominale ou la phrase verbale, et on transforme à la version qui convient. La constitution et l'évolution indépendante de deux groupes. De groupes, ça fait les écritures phonétiques correspondent à une analyse beaucoup plus profonde. La correspondance à une analyse beaucoup plus profonde des écritures phonétiques. Ça fait deux phrases suffisent plutôt pour comprendre la chose. هذه هي يعني لا سيونس تاعنا لي تاع لي بوين دو لانغ. دوكا راحين نروحو لحاجه واحده اخرى. اون فا فير لي بروسيدي اكسبليكاتيف. لي بروسيدي اكسبليكاتيف راحين قبل اون فا بروندر اون فراز ولا نروحو نقول لهم روحو لا فراز هذه. دو غروب سو سون كونستيتوي اي اون ايفولوي انديبوندامون دو لا سيتوياسيون géographique d'une part, d'une autre part. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce paragraphe ou là dans cette phrase? On a énuméré ou là on a donné deux groupes ou là comment on appelle cette ce moyen ou là ce procédé? On cite ou là on donne des éléments ou là on appelle cette action par on l'appelle l'énumération. Connaissez-vous d'autres procédés explicatifs que l'on utilise pour expliquer? Par exemple, comparaison, exemple, définition, étymologie, par exemple. المهم كاين بزاف راني درتهم انا في لاشين وراح نزيد ندير ان شاء الله ونروحو نعاودو نوليو لهذا لو سيبور بالذات ونخرجو. كاين هنايا بار اكزومبل كاين هنايا هاوراهي سو سون كونستيتوي يعني اناليز. هنا بار اكزومبل عندنا هاوراهي هنايا انيميراسيون كيما قلنا. عندنا بار اكزومبل هاي وراهي خرجنا هنايا بزاف. عندنا اكزامبل غريك لاتان. عندنا ديفينيسيون هذه لا ديفينيسيون دون لو دوزيام جروب. ها هي لي زيكريتور فونيتيك كوريسبوند ا اون اناليز. هذه سي اون ديفينيسيون ولا تقدر تكون ثاني اون ريفورمولاسيون. عندنا ايكيفالونس بون سي اون ديفينيسيون باسكو هي الاولى. ايكيفالونس عندنا لو مو ليكيفالون تاعو هو فونيم. بون puisqu'on a fait un hado, on passe à une autre séance. L'autre séance, c'est des points de langue. Bon, hado, chauffe-vous. Parce que là, j'ai un coronavirus, deux séquences. Alors, c'est pour ça, mais normalement, on va faire la troisième séquence. Alors, on va faire les substituts lexicaux. Alors, on va faire le compte Instagram. Les substituts lexicaux, les substituts grammaticaux. Alors, on va faire le compte Instagram. وشوفوهم راح ندير عليهم اون لوسون. الوغ شوفو هنايا كاين ال ايل سيلسي سيلسي سيلا سولويسي سوسي. ومن بعد راح تجبد هنايا ال بار اكزومبل في هذا لو تيكست برك حاجه خفيفه برك. هاي ال اكي رونفوا لو ال بار اكزومبل ولا اكي رونفوا. هذا توجور توما كي ديروا هذو لي سيبستيتو ليكسيكو ولا غراماتيكو il faut se concentrer sur le thème principal ماشي sur n'importe يعني sur une chose essentielle sur une chose primordiale في النص تاعنا. الوغ كيما هنا ال تولي على ليكريتور فينيسيان يعني حاجه مهمه ليكريتور فينيسيان دون لو تيكست. عندنا لور لور كوا لي زيكريتور فونيتيك ثاني كيف كيف كي شغل لازم هادو كي تبوزيوهم لازم يكون عندكم اوبجيكتيف ماشي لازم يكون عندكم دو زون دو اوبجيكتيف على فوا. الوغ بروميييرمون راحين تشوفوا اكي رونفوا هذاك لو برونو. دوزيامون فوزالي لونسي لا لوميير سور لو
le thème ou là sur les thèmes du texte. Alors il a dit ثاني مليحة سقسي عليها parce que علاش يقولوا لهم à qui renvoie هذا le texte هذا le il يقولوا لكم يبداو يقولوا لكم ولا واحد يقول لكم à personne ولا واحد يقول لكم يعطي لكم une réponse ثم رايحين bien sûr vous allez choisir la réponse qui annonce que le il hna renvoie c'est le il impersonnel qui ne renvoie à personne. Alors on passe directement à faire l'expression orale. L'expression orale ça permet d'acquérir un certain bagage linguistique, une certaine expression, il va un certain savoir faire. Bon, rien je vous fais là, savoir et savoir faire en même temps. Donc imaginez une conversation où vous auriez à demander à votre camarade des informations sur le texte expositif. C'est des objectifs bzaf. En même temps, on va faire un rappel à les leçons les dernières. En même temps, on va faire l'expression orale, l'emploi de jeu, ou la nous, ou la vous, ou tu. Le but, c'est informer, conversation, dialogue. Bien sûr, c'est toi qui vas gérer le dialogue. Par exemple, imaginez que vous étiez absent. C'est vous c'est toi qui va aider l'élève, qui va acheminer l'élève vers les réponses, vers la conversation. Par exemple, hier tu étais absent, tu demandes à ton camarade qu'il t'explique la leçon ou la هذا هو ou là tu étais en congé ou là هذه هي. رحين بعد هنايا on passe à faire l'évaluation formative. حنا انا le texte ماهوش عندي mais نقدر نقول لكم هكذا le résumé تاعو. Donc le support تاعنا هو يهضر على la communication. C'est une séance bilan dans laquelle on vérifie partiellement ce que nous avons fait dans le projet. Alors, orientation, poser des questions sur l'énonciation, les marques de l'énonciation, la situation de communication, les procédés, tous les points de langue que nous avons fait lors de la séquence. Comment on définit, on va se concentrer sur les procédés explicatifs. Comment on a défini, par exemple, le bruit, quels sont les types de bruit, ou la communication, quel est l'équivalent de mot, à qui renvoie les pronoms soulignés, bien sûr, c'est le thème, le type et la visée. Bon, avant, normalement, on dirait expression écrite. Puis, on va faire l'évaluation formative. Bon, dans la production écrite, je propose à réordonner un texte ou là, le texte de la page 6. Alors, maintenant, on a terminé la première partie et on va faire la deuxième partie. Voilà, je ne sais pas où on est là. Est-ce qu'elle a fait une deuxième séquence ou là repérage. Donc là, je ne sais pas exactement où est-ce que je suis. Bon, là, j'organise mon travail. Après, je reviens. La deuxième séquence. Alors, on a dit qu'on va prendre une pause et on revient. Alors, comme vous voyez ici, on est revenu. On va faire, c'est la deuxième séquence, séquence 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va faire la compréhension de l'oral. Je ne vais pas vous rappeler des étapes de la compréhension de l'oral, mais on va pré-écoute, on va écoute, on va deuxième écoute, troisième écoute. Après, on vérifie et on recopie les réponses. Mais avant ça, on va faire une éveil de l'intérêt en ce qui concerne l'eau. Par exemple,
Je sais pas, est-ce que par exemple la Terre souffre d'un manque de l'eau, le non impossible, il y a les pluies, il y a Hagla. On va dire après il y a un manque de l'eau. Bon, on va l'objectif, on la page, on va pas dévoiler la page le numéro de la page. On va mais avant, je vais dessiner ce tableau dans lequel je vais citer les articulateurs tawana de cause, conséquence, opposition et de classement. Alors, comme vous voyez, on va dessiner le tableau, puis on va... Pardon, je m'excuse, il y a beaucoup de bruit, je n'arrive pas à maîtriser. Donc, comme vous voyez, on va dessiner le tableau, cause, conséquence, opposition et classement. L'élève, il va repérer, en même temps, il va classer. Alors, les articulateurs terrains, la page, la terre et l'eau douce, et toutefois, finalement, grâce à la pluie, comme mais aussi, donc, bon, également, idéalement, toutefois, l'opposition, finalement, classement, grâce à la pluie, grâce à cause, mais opposition, aussi, conséquence, et classement, après, lorsqu'on a exprimé ces rapports, est-ce qu'on a utilisé des articulateurs ou bien juste la virgule ou là? Et qu'on a des articulateurs, alors le rapport exprimé, c'est explicite. Donc, on a une note lorsqu'on utilise des articulateurs logiques, le rapport est explicite. Et lorsqu'on n'utilise pas des articulateurs, le rapport est implicite. On a la structure du texte, il y a la structure logique, puisqu'il on a employé les articulateurs logiques pour relier et enchaîner les idées. Alors, comme vous voyez ici, on a complété le tableau TNA en se référant au texte, ou bien en écoutant le texte. Bon, après, on va faire les points de langue. L'objectif TNA, ou à toujours les articulateurs logiques, surtout par exemple, surtout les articulateurs logiques et les procédés explicatifs, ils sont très très importants. Alors, des activités. On va prendre deux phrases du texte, support. Qui m'a dit grâce à la pluie, on commence donc à croire. Comment on appelle les termes soulignés des articulateurs logiques, pourquoi on les emploie pour exprimer un rapport. Le rapport est-il explicite ou là, implicite? Implicite ou la égale explicite. On va dire l'activité parce que en tant qu'une enseignante, j'ai jugé utile de faire chouiller la dictée parce que il y a plusieurs élèves qui n'arrivent pas à écrire correctement les articulateurs. On dire une dictée, la dictée, moi ils vont classer. Je fais plusieurs articulateurs, alors on a classé tableau, on va les réécrire. Alors je fais la dictée, en même temps j'économise le marqueur, en même temps ils vont apprendre à écrire correctement les articulateurs. On va une autre activité de consolidation, par exemple remplacer l'articulateur dans la phrase par un autre qui exprime la même chose ou le même rapport. Vous pouvez mettre un autre exercice sans problème. Bon, خلصنا من هذه. راح نشوفوا دركا la compréhension de l'écrit, l'alimentation, page 3. هايو راح بون راح نشوفوا l'alimentation. هاي alors هذا هو سي لو تيكست تاعنا.
هنا اون فا اكسبلواتي يعني لي زانفورماسيون بيان باغ اكزومبل لي زيليمون باراتيكستويل راح نحطو في الطابلو اون فا بريزونتي هادو لي زيليمون بعد نقول لهم كالي لو تيتر دو سو تيكست دو كومبيان دو باراغراف سو كومبوز هذا لو تيكست هنايا دو اون اتيري سو تيكست اون كيل اني ابري نكتبو في اون فا ايكريغ او تابلو ايكري بار ولا ريديجي بار كومبورت كونتيان كومبوزي دو راح نديرو اكستري دو تيري دو ورايحين هنا بارل دو اون بعد راح اون فا باسي ان ايلاف ولا دوز ايلاف ولا تخواز ايلاف اي جوفي نوتي هكذا يبدا يقول لك لو تيكست برون كوم تيتر سانتيتول ولا سانتيتول اليمونتاسيون il est tiré de l'homme et son environnement en 1773. Par exemple, il contient ou là, il comporte trois paragraphes, avec un, deux, trois, quatre paragraphes. Il parle de l'alimentation ou là, il parle. Alors, هذا هو. ومن بعد هنا رايحين نبداو نخدمو ونكتبو اوبجيكتيف ونخليوه فارغ كيما قلت لكم مع الاخر كي تكملو تحطوه ما تنساوهش برك رايحين نديرو لا ستركتور لوجيك لا كونستركسيون امبيرسونيل ولا فراز ديتيرم هذه نخليها بون انايا ما نفع نخدمها مع الاخر مي اذا كان باسكو علاش سيكونس 3 العام ما كانش الوغ ما نفع نخدمها في لا سيكونس 3 نتوما اذا ما كانش كل لازم تخدموها هنايا دونك رايحين نهزو لي باراغراف تاعنا رايحين نحطو لي زيدي دو شاك باراغراف Alors, comme vous voyez, Ida, par exemple, on n'a pas fait la troisième séquence, l'exercice 5, page 64, l'exercice 8, page 65, il y a la tournure impersonnelle. On a un site déterminatif ou l'explicatif. Bon, on a un après avoir repéré les idées du texte, on a un site la culture, l'alimentation, chaque année, les gens meurent à cause de la mauvaise la sous-alimentation, à cause des récoltes, bon, la sous-alimentation ou la mauvaise alimentation est due à la mauvaise récolte, surtout dans les pays pauvres. On va donner un exemple à les pays pauvres qui souffrent de la sous-alimentation. On va donner les besoins, les éléments essentiels dans le développement du corps ou le développement ou la croissance tel le corps tel وبعد هنا راح نهضروا على سوز اليمونطاسيون في لي بيي ريش عندهم دي مالادي ا كوز دي دو ليكسي de la consommation des aliments ou le contraire bon هذا هو حنا نعطيكم لو ريزومي تاعنا Bravo. Résumé, la page 34. Chaque année, des milliers de gens meurent de faim dans les pays pauvres à cause de la mauvaise récolte, comme en Afrique et en Inde et en Amérique. Comme en Afrique, en Inde et en Amérique du Sud, il y a trois éléments importants pour la bonne construction de notre corps. Voilà le bon développement de notre corps, les protéines et les vitamines. Il est à noter que dans les pays riches aussi, il y a des maladies parce que les gens mangent beaucoup. En revanche, par contre, dans les pays pauvres, à cause des carences alimentaires. C'est le résumé. Nous avons la séance. On attire l'attention sur... on se prépare au point de langue. Quelles sont les phrases par quoi on a introduit les paragraphes par des phrases, quelle est leur structure quel est le pronom utilisé, le il, à qui renvoie le il. Il ne renvoie à personne. Alors, comment on appelle la tournure impersonnelle. On va dire qu'elle est là. Après, on va dire qu'elle est là. Activité. Bon, on va voir ici.
l'expression orale en vous inspirant on s'exprime oralement il s'exprime un peu on casse un peu la monotonie ou alors expression orale en vous inspirant du schéma expliquez à vos camarades le voyage d'une goutte d'eau tombée sur la terre sur terre un schéma نديرو ان غوت دو نشوفو وين رايحه هذه لا غوتو رايحين نديرو هنايا لي نون اوسيون مير فلوف ريفيير لاك فابور نياج غوت كشغل اون با اليمونتي لو ترافاي بلوي نيج جيل شالور ورايحين نديرو فواياج يعني لا غوت دو فواياج ولا سو ترانسفورم فا سانستال سي فابوريز سو ديريج فير وانا من بعد نبدا نعاون فيهم في لو شيما هذاك هما ثاني يعطيوني لي زيدي دي فوا ولا لي زيلاف سي او كي m'inspire يعني des choses هكذا alors خلاص هذه هي la compréhension de l'oral خلصناها واش راح نديرو راح نديرو l'entraînement à l'écrit هاوليك l'entraînement à l'écrit on va prendre le texte de la page 6 هذه c'est une activité très très importante انا خدمتها بزاف alors راح نوريها لكم c'est la page 36 هاهي واش راح نديرو فيها سي لونترينمون ا ليكري انا اسكي شغل انا جو في لي جو في لي ليميتي ا فير دي شوز ا فير لا بريز دو نوت ils vont prendre des notes ils vont essayer de prendre des notes pour faire un texte هذا لو تيكست يعني مخلط فيه قداش يهضر على حاجه il parle d'un thème mais de manière détaillée mais انا je me limite à faire يعني des choses انا راح نعطي لهم ان طابلو نديروا لهم ديفينيسيون دو سكيليت راح نديروا له فونكسيون دو سكيليت راح نديروا كاركتيرستيك تاعو كاركتيرستيك ولا اناليز كاركتيريزاسيون اي اناليز وراح مع الاخر نديروا كونسي كي شغل هذا سي تان بلان في الانترودكسيون و دوفي فير لا ديفينيسيون اي لي اي لا كاركتيريزاسيون في الدوزيام راح نديروا فونكسيون اناليز ومن بعد في لا كونكلوزيون راح نديروا دي كونسي وهذو كامل اون فا لي لي اكستراير دو سو تيكست يقراو لو تيكست ils vont lire le texte on va essayer de faire يعني imaginer un texte راح نديرو هنا نجبدو منا هاي راهي لو سكيليت اي ديفيني بار لو ديكسيونير لا روس كوم ايتون لا شاربونت هذه نسحقوها ils vont la souligner on بعد aussi nous permet-il de tenir de nous tenir droit sans lui ما كان لهذو كامل ما نسحقوهمش غير برك l'important mais il a une autre fonction tout aussi importante celle de protéger هذه نسحقوها هاي alors كل حاجه لهنايا il représente 35% de notre masse corporelle هذه نسحقوها ثاني caractérisation et analyse et les os ne sont pas vides bon هنايا ماشي شرط كاين حاجه نسحقوها حاجه ما نسحقوهاش كي بون هنايا دي نير du calcium qui présent dans le lait et le produit laitier est essentiel pour la croissance de et le renforcement de notre squelette. Là, on va conclure que le calcium Hava et les produits laitiers sont essentiels pour le renforcement de notre squelette. Ça fait aller, je vais la prendre pour la mettre à la fin comme conseil. Elle fabrique les cellules de notre sang, globules. Bon, Hava, oui, exactement. Cette dernière ou il a cette dernière la moelle osseuse هنا ما نسحقوهاش حنا مانيش حابين ديتايو بزاف حابين غير ليسونسييل ها هو راه واش جبدنا دونك لو سكيليت اي ديفيني كوم هكذا هكذا حتى نخلصناها ومن بعد راح il représente 35% de notre masse corporelle ومن بعد راح نقولوا il sert et les os ne sont pas ما نديرهاش هذه
Il sert à protéger les parties les plus fragiles de notre corps, comme le, les poumons. Il est important de prendre le lait et les produits laitiers qui sont essentiels pour la croissance et le renforcement de notre squelette. Hana, à partir d'un texte, on a fait un autre texte, Peshital Moudiro, les exposés Tawaham. Bon, la production écrite, ils ont déjà, ils sont prêts à faire l'activité. Ils ont des acquis. Alors, expliquer c'est quoi le squelette et sa fonction. On va être la séance prochaine. Il production, il va te ramener le travail, tu vas le corriger. Et soit tu vas prendre une copie d'un élève et tu vas la restituer, dire la photocopie, ou tu fais passer photocopie par tous les élèves qui ont un sujet. Alors tout le monde va corriger avec la copie ou là sur data show là ou là une grille d'auto-évaluation oui non ou là une production collective d'un paragraphe. La production des collectifs, bien sûr, c'est l'élève qui va nous acheminer à faire cette production, c'est pas le prof. L'évaluation formative. L'évaluation formative, c'est la séance bilan de la deuxième séquence. On va faire toutes les choses que nous n'avons pas fait déjà, qui maintenant la structure chronologique. Bon, là, je vais vous montrer. Je vous rappelle la page où il y a l'évaluation. Alors, comme vous voyez, là, j'ai pris le texte de la page 42. Il y a des questions à la structure. Quels sont, par exemple, les termes ou les indices ou qui articulent le texte? Qu'est-ce qu'il exprime, yani, le temps et tout? Comment on les appelle, les articulateurs chronologiques? Bien sûr, ils vont lire le texte et tout. Un tableau, on va exploiter on va synthétiser la situation de communication. Qui parle, journaliste, à qui on a déjà, on va exploiter la source, le Figaro, c'est un journal. Le jour, le mois et l'année, et il s'agira d'un journal. Qui c'est le journaliste, au lecteur du Figaro, là à nous, de quoi l'efficacité de l'eau de Javel, quand on a mis l'année, bien sûr, mais on a mis l'année à l'intérieur, parce que madame, il y a une rare situation de communication, il faut attirer l'attention sur l'attention de l'élève sur ça. Puisqu'il y a un jeu, quelqu'un qui parle ici, alors il y a une seule situation de communication, alors on va faire sortir les informations maintenant. Parce que là, il y a un peu qui fait compliquer le tableau. Et pourtant, il est facile. Ou le Figaro, bien sûr. On va être comment informer dans les désinformations, analyse historique, pourquoi célébrer la centenaire de la Malabelisha, les 200 ans de l'invention de l'eau de Javel. Bon, maintenant, on va faire le résumé. Bien sûr, on va prendre comme repère les indicateurs de temps. On a souligné. Quelles sont les caractéristiques d'un texte expositif, le présent atemporel, on va l'évoquer. À quel temps sont conjugués les verbes du texte au présent de l'indicatif, pourquoi on l'a employé pour donner des informations, alors quelle est sa valeur atemporelle ou la valeur générale,
هي كاينه نيونس بيناتهم بصح حنايا كشغل دائما نحطوهم كيف كيف. الوغ افيكاس سي موان كوتول او دو جافيل سيليبر سي 200 ans او 18e siècle بيرتولي avait constaté que la linge étendue blanchissait sous l'effet de l'oxygène. En 1789, l'eau de Javel qui permettait de reproduire de se blanchir parce que je n'ai pas lu le texte. Alors qui l'eau de Javel qui Maouda donc et en 1789 il inventa l'eau de Javel qui permettait de se blanchir l'eau de Javel qui permet de se blanchir sous l'effet de l'oxygène. Donc quand je vérifie mlih jebli ربي كشغل شويه. Alors je vérifie et je reviens. Alors هذا le هذا نحيوه la forme pronominale. Donc en 1789 il inventa l'eau de Javel qui permet ou la qui permettait de blanchir les linges sous l'effet ou la linge sous l'effet de l'oxygène. Plus tard, Pasteur découvrit son pouvoir désinfectant. Elle servit à purifier l'eau des soldats pendant la Première Guerre mondiale, puis à désinfecter à la NASA. Actuellement, elle est toujours utilisée, bah, dire la virgule, son pouvoir est dévastateur. Hada wa le résumé tana, je m'excuse pour la. D'accord. Alors, rien chauffons le cas, la séquence 3. Chauffons malgré Meshi Dakhla, mais il faut la voir. Parce qu'elle est vraiment importante. Il y a des éléments qui marquent yani, la différence entre les deux séquences. Même la visite a changé. Elle change aussi. Alors, on a la séquence 3. On va écrire la date, on va écrire les titres de la leçon. On va prendre la page 48. L'objectif, on va le souligner et on va voir après, vers la fin. Qui m'a goûté comme si on a fait la troisième séquence, alors on fait les substituts lexicaux et on fait également la déterminative et l'explicative. Après, on va voir. Alors, on va voir la page 48. 47, 48. Ah, j'ai pris exprès les trois textes pour faire une compréhension analytique dans laquelle établir une comparaison entre les trois textes selon l'objectif TAI. Alors, je vais dire, bon, les objectifs TAI, exposer pour informer et argumenter les substituts lexicaux et grammaticaux. Les substituts TAI, je vous en un tableau, un texte 1, texte 2, texte 3. J'ai fait une comparaison au niveau des raisons, prises dans les trois textes ou les indices. Donc, les indices, je vous le texte 1. C'est la raison essentielle pour aimer Alger. C'est une ville moderne, mêlée et fondue avec une vieille ville barbaresque, le contraste et l'exotisme. Indice de présence, sauf le nom de au parc. Quelle est la raison essentielle? Jolie, la ville de neige. Une gigantesque cité toute bâtie en gradin entre
le cap Matifo et la pointe Pescadéry. Hada huwa on ba3 les résumés tawhom fi 3. J'ai fait les trois résumés des trois extraits. Alors Alger est une grande ville européenne au bord d'un golfe africain. C'est une ville moderne mêlée et fondue avec une vieille ville barbaresque. Deuxième, Alger est jolie, une immense terrasse large. Il y a beaucoup d'informations, on ne peut pas la résumer. Alors une immense terrasse longue, le port soutenu par des arcades élégantes. Au-dessus s'élèvent de grands hôtels européens et le quartier français. Au-dessus encore Sichlon, la ville arabe. Allez, on va troisième. Alger est une gigantesque cité toute bâtie en gradins qui n'arrive pas jusqu'à la mer. Elle est posée sur un piédestal. Un piédestal, c'est ça, Hadiya, l'activité Tana, yani la compréhension de l'écrit. Hadiya, c'est la compréhension de l'écrit. Madarch, compréhension de l'oral. Parce que Rita Arfona, après, je vais vous dire que je suis allé chez vous. Je ne sais pas. Alors, on a خلاص مع الاخر ما نحبش ندير compréhension de l'oral, نحب ندير directement la compréhension de l'écrit. Bon, راح نشوفو دوكا, pardon. On va voir maintenant les points de langue. Les substituts lexicaux. Sept exotismes se contrastent. À quoi ou à qui on voit les termes ci-dessus? Pourquoi on les emploie? Comment on les appelle? Bien sûr, ça renvoie à l'idée précédente. À quoi renvoie les termes hado? Pourquoi on les emploie? Pour éviter la répétition. Comment on les appelle? Les substituts lexicaux. Comment appelle-t-on les pronoms qui remplacent les mots? Les substituts grammaticaux. Elle fut de tout Alger Warahi. Elle fut. Par exemple, à qui renvoie elle renvoie à Alger. Alger jouit de ce privilège qu'elle fut de tout temps posée sur un. Donc, qu'elle fut. Alger jouit de ce privilège. Elle renvoie à. À Alger, bon, elle fut. Bon, là, je vérifie et je reviens. Alors, elle renvoie à Alger. Bon, là, on a un chouchou, les points de langue. Donc, là, chouchou, on a chouchou, elle fut de tout temps. Vous allez la remplacer par Alger parce que c'est clair, c'est normal. Le prof doit vérifier avant de. Alors, elle, Alger fut de tout temps posée sur un piédestal. Alors, c'est ça. On passe maintenant à faire les points de langue. Le point de langue, là, dans l'objectif proposition relative explicative, proposition relative explicative ou la déterminative. Yani, proposition relative explicative, proposition relative déterminative. Exercice, page 65, numéro 8. Soit on va prendre des phrases le texte, après on va faire yani, on va les classer, ou là on va prendre directement page 65. Alors, par exemple, vous allez expliquer avec la. Vous allez prendre un exemple. Je cherche des enfants qui n'aimaient pas la neige. Elle est déterminative parce que maintenant, on ne peut pas la supprimer. Qui n'aimait pas la neige. Si on supprime elle, ça devient insensé. La neige est insensé. Bon, ça fait une semi la déterminative. Les enfants que le froid ne dérange pas s'amuser follement dans la neige. Elle est explicative.
C'est un accessoire. C'est un accessoire, explication accessoire, elle est zéda. Elle n'est pas nécessaire pour identifier l'antécédent. Elle n'est pas essentielle pour identifier l'antécédent. Alors qu'il n'a normal, parce que surtout qu'il connaît comme la virgule, il y a une étape de le supprimer facilement. Mais machine, on ne peut pas appliquer la règle d'Eyman. Alors, elle est explicative, il y a une étape de l'Ohnahiwa. ومن بعد خلاص كي تعرفوا هما هذه راحين يبداو هنايا يشوفوا هذه ديتيرميناتيف هذه اكسبليكاتيف يعني اكسبليكاتيف نقدروا نحيوها سي اون اكسبليكاسيون اكسيسوار الاخرى هذه انديسبونسابل اون بو با لا سوبريمي وراحين توريو لهم راحين نشوفوا سي On va voir aussi l'évaluation certificative. La tournure impersonnelle. Je vais vous montrer sur la page. Je vais vous montrer le 5, page 64. نخدموها هذه اللي قلنا عليها هنا في لاليمونطاسيون اللي جبدنا لا ستركتور امبيرسونيل ها هو راهي ها هو ليكزيرسيس تاعنا اللي كان ما باغ اكزومبل ما عندوش لي سورس وين يفهموه ولا الوغ نعطيلو انا هذه ها هي كاينه بوسيبل كاينه امبوسيبل لا كاين عندكم دي زادجيكتيف كيما هذا ولا ان فيرب لا كاينه اون اكسيون الوغ سي بوسيبل دو فير لا تورنور امبيرسونيل اذا ما كانش اون اكسيون كاينه ديسكريبسيون ولا الوغ ما تقدروش كيما هذه بون دي كونفيرونس بور سونسيبيليزي دي جون بروبليم دو لانفيرونمون الوغ ما عندناش عفسا اللي نقدروا سور لاكيل اون سابوي بون هنايا ما كانش يعني واحد يدير اكسيون اي امبورطون عندنا هنا شوفوا هنا وين كاين لي اكسيون لي ادجيكتيف نقدروا نديرو وين ما كانش يعني اون بو با فير هذا كيما هنايا شوفوا ما كانش ان اكسيون الوغ ما نقدروش ما كانش لاكتون ما كانش يعني فريمون اون اكسيون الوغ سي بور سا ما نقدروش نديرو هذا l'activité. On va être en train de l'évaluation certificative. Bon, on a eu l'intelligence telle qui fait que je suis en train de عاودوا قراوهم مليح باش تعرفوا يعني باللي ما نقدروش هنا شوفوا كاين اتر يعني ما كانش كيشو لا فوا باسيف ولا ما نقدروش نديروها بدم لازم تكون عندنا اكسيون يعني سورتو اكتيف في الاكتيف ماشي رايحين نشوفوا دركا بوغ كلوتوري هذاك لو طرافاي تاعنا كامل راح نديرو ايفالواسيون سيرتيفيكاتيف والله ما على باليش اسكو جوسكا ميتنو اون لا في ولا انا مازالني نخدم باسكو جاسيست با او سيمينار الله غالب جي دي شوي توجور ديبوردي اي تو الوغ والله ما نروح ما على باليش اسكو راه مازالو يخدمو بالايفالواسيون سيرتيفيكاتيف باسكو اون كوليك قالت لي واقيلا ما مخلاص ولا المهم بون عندنا لا بيلجيونت باج 57 راحين نخدموا عليها راحين واش هو لوبجيكتيف تاعنا هذا سي لا ميز او بوين ولا ري انفستيسمون تاع لي زاكي ولا فيريفيكاسيون جلوبال دو سو بروجي دو تو لو بروجي سي با يونيكمون دو لا سيكونس ولا الوغ كي راحين هنا نبوزي بيان سور دي كيستيون ليليف راح يخدم وحده ترافاي انديفيدويل كي يكري اكي دو كوا هاو التكست تاعنا هاو هاو فيجيونت هاو كلش يعني كاين تو لا سورس لي كريفان ليديسيون نقدروا حتى هنا اون ايدونتيفي لو ميتي تاع بلي سي تاع لي كريفان لو تيتر لي باراغراف اي تو عندنا كي يكري اكي دو كوا هاو انو لي ليكتور دو كوا دو لوربانيزاسيون اي دو لا كرواسونس دي غراند فيل كومون يعني كومون حنا دائما هنا لو تيب exposer, expliquer la situation actuelle dans les métropoles et les problèmes qui affrontent. Andna, pourquoi? Pour informer. Yani, le but, toujours, c'est le but, c'est la visée.
بون هنا دائما لازم تتعلموها باسكو من دركا حتى الباك وتما يفو يعني سو فاميلياريزي افيك سي كيستيون باسكو هذا لو طابلو اي لي تري امبورطون بوركوا هو دائما لو بوت سي لا فيزي كومون سي لو تيب كي سي ليميتور à qui c'est nous, c'est les lecteurs, c'est le récepteur, de quoi c'est le thème. Alors toujours il faut y aller faire attention. Bon, on a des questions sur les substituts, sur la déterminative ou l'explicative, valeur de présent, les structures. Après, on fait le résumé. La révolution industrielle a favorisé la concentration des individus dans les grandes cités, ces citadins affluent et rencontrent beaucoup de problèmes comme le chômage, la peur, la pollution et le sous-développement. Ces grandes métropoles rêvaient d'une vie meilleure, mais plusieurs obstacles entravent ce rêve. Voilà, Alors, هذا هو ان شاء الله كنتو فهمتوني بزاف. إذا فهمتوني بزاف، عطوني لايك وشير ونخليكم ونقولكم سلام.